Excellente journée à vous également. J'ai retenu que pour les Capricornes, eh bien, votre partenaire vous amènera au septième ciel. Il saura vous amener au septième ciel pour les Capricornes. Donc, quand je vous ai dit qu'il y aurait certainement une très bonne nouvelle pour vous ce matin, oui, donc je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais... What's the good news in that? Allez au septième ciel, c'est quelque chose de très bien, Sandrine. Surtout quand c'est votre partenaire qui vous y amène. Pardon? Does it put money in your pocket? Does it give you a new job? Does it? Quelque chose de bien pour vous, c'est juste de l'argent, c'est quoi? Not that it's just, c'est juste de l'argent. I mean, something positive. What has septième ciel got to do? It's just like they always say, 5 minutes de plaisir. Non, du tout. Yeah. Au-delà de ça. Vous savez, quand vous voyez... quand vous voyez une femme qui balaie la cour en chantant jovialement. Quand vous voyez une dame qui vient, bien sûr, c'est vrai, c'est qu'elle a passé une nuit qui était forcément très belle. Grimper au rideau comme ça le matin. Je vous assure, Sandrine. Regardez quand une femme est, je vais dire quoi, quand elle a passé une nuit plutôt timide et bizarre, quand elle vient au bureau, elle se met à gronder sur tout le monde, elle crie sur tout le monde. Vous allez dans son bureau, bonjour madame le dossier, sors de mon bureau, je ne veux aucun dossier ce matin. Mais il y a quoi? Il faut... Non, not necessarily. Je vous assure. Their partners did not take them to mais très souvent, c'est vrai. Très souvent. Are we really supposed to be talking about this topic? Très souvent. Oui. Like, seriously. Il faut en parler, c'est le ressort qui a dit. Donc si vous êtes Capricorne, retenez-le, votre partenaire à ce point-là. Comment tu es Capricorne? Je ne suis pas Capricorne. What's your problem with Capricorne? Tu veux que ta femme est Capricorne? Du tout. What's your problem with Capricorne? Je ne suis pas Capricorne. Bon, les Capricornes sont aussi les cornes sur la tête. Donc si votre partenaire décide de ne pas vous amener au septième ciel, si vous êtes partenaire d'une Capricorne ou d'un Capricorne, eh bien, ne résistez pas. Les Capricornes ont très souvent les cornes sur la tête, donc un peu têtu. Donc, essayez. What I loved is at the ending, I think that was fish, poisson. Mm. Where she said that votre souris sera votre plus beau atout. Ah, vous êtes des signes poissons, c'est non, ça? Non, not at all. I don't have any sign. Votre partenaire est des signes poissons? No, my partner hasn't got a sign. We don't belong to the horoscope. Please, let's just not talk about it, okay? D'accord. I don't want to talk about the horoscope. That is what I retained. And just to tell our televiewers that the best makeup anybody can put on, especially women, is your smile, okay? No matter how beautiful you look, how well made up you are. The best makeup. Oh my God, if you keep a frowning face like this, your makeup, of course, is going to be spot. So you just need to be all smiles. Dans quelques minutes, on reçoit... Ah, ils sont déjà là. Bon, on prend la petite transition pour les recevoir. François, ça vient la transition. Ce matin, avec Peter Sossi, René Narcisse, Moto qui nous ont rejoints. Il y a encore quoi, Sandrine? Why didn't I put on my heels today? Pardon? Il fallait que je mette mes talons aujourd'hui. Sandrine, pourquoi? Tu ne vois pas comment Peter est grand de taille. You understand? It depends on the size or let me say the length of the heels. Because I'm not sure you stay with me. Like, seriously? Yeah, maybe if you add about 5 centimeters. Okay, let me just... Bonjour et bienvenue, Peter Sossi. But I think I'm going to stand like this. Good morning, Etienne. On ne vous a pas dit que quand on entre chez les gens, on regarde d'abord si le patron de la maison est là? Seriously? Ici, il y a un patron. Il y a un patron. Voilà, de la on maison. Just about asking. Non, je sais qu'il y a les. You know, there's a complimentary factor. There's... Non, il y a le patron. De... L'homme est le chef de la famille. S'il y a le patron, il y a aussi la patronne. Donc, Peter, wait. Donc, je me concentre avec la patronne d'abord. Chief of Baxmo, I want to see Moto, you know. Ah, you're too tall. Moto, bonjour. Bonjour, Sandrine. Pourquoi ta voix est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle est cassée. Pourquoi, mon chéri? T'es parti où? C'est clair que je me sens pas très bien. Oh, that is unbelievable. Mais on va faire des efforts comme une guérie. Vous savez, un guéri ne recule jamais devant un obstacle. Non, tu sais, maintenant là, tu ne te sens pas bien, mais je sais où ce que je vais te... Tu vas te sentir mieux. Voilà. Waouh. Bon, c'est vrai quand même sur la famille. Ouais, c'est comment faire pour... Je crois que c'est quand même une très belle voix qui pourrait nous faire penser à... La...
C'est une très belle voix qui me fait penser à Jacob de Vareux. Donc, vous pouvez vous mettre à la musique avec cette voix-là, René Narcisse Moto. Bon, la revue de la presse tout de suite avec Peter Sossier. Of course, right now, our televiewers would really be impatient and some of them are angry. So, at 7:34, it is time for us to take an after-press review right now. And, of course, we're going to kickstart, as usual, in English with you, Peter. We have just a few press for today, a few newspapers for today, and we cannot go without giving them to our televiewers. Yeah, we kickstart right away with the Guardian Post. The Guardian Post newspaper this morning takes us to the troublesome situation in Manu Division of the Southwest Region, where the Guardian Post indicates on its main story of the day that villagers flee as Manu heavily militarized. The Guardian Post further reveals that government's effort to track down terrorists and protect the lives of innocent civilians is proving rather counterproductive. You want to find out for yourself how feasible is that, you can flip to page 3 of the Guardian Post for details. The report also talks about the Anglophone crisis, conspiracy, hypocrisy, and the refugee question. It is an analysis of the Anglophone crisis. You get more developments about that on page 2 of the Guardian Post. And it's some in what many people say is bad news for some people in the civil service, as the Guardian Post reveals that government has already enlisted over 14,000 workers for expulsion. Perhaps you want to find out for yourself what are the push factors that will make the government to enlist up to 14,000 civil servants for expulsion, and what could be the reason behind that. You'll find out for yourself on page 2 of the Guardian Post. Now we move on to the Advocate. The Advocate, which takes its rise from Limbe this morning, takes us into the situation of former Prime Minister Chief Ephraim Inoni, and tells us on his main story that the chiefs of Bomboko in Fako Division of the Southwest Region are begging the head of state President Paul Biya to release former Prime Minister Chief Ephraim Inoni. This follows a meeting which took place within that locality some days back. You'll get developments about that on page 8. The Anglophone crisis also makes news in the Advocate newspaper this morning, as the paper takes the view of a crisis expert, Professor Ngele, who tells us how to dialogue when violence persists, talking about the Anglophone crisis. You get the views of the crisis experts on page 10 of the Guardian, of the Advocate rather, on how to dialogue when violence persists, especially talking about the Anglophone crisis. And the paper also takes us to the socioeconomic situation of Konye, a subdivision in Meme Division of the Southwest Region, as the mayor has lashed out at detractors. You want to find out some of the claims made by the mayor to support his mandate, which obviously expires next year in 2018. You get all the views on page 4 of the Advocate. We also have two bilingual newspapers. We'll start right away with the public bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune focuses this morning on banana production and indicates that following the drastic drop in the production caused essentially by changing climate, stakeholders are fast thinking of adopting new production methods in order to revert the situation. You get the views of agricultural experts, especially those in the banana sector, who are trying to devise ways of facelifting the sector. You get developments on page 10 and 11. And the paper also says that Cameroon and Israel are sharing experiences as far as information and communication technology is concerned. This follows a four-day seminar to encourage the country's young talents to be innovative, which officially opened in Yaoundé yesterday, the 5th of November 2017. You'll get developments about that on page 13. And we end with this new baby in the market, which is known as Media Afrique 24. It is a new baby in the press business. Media Afrique 24 takes us to the southwest region of the country and says that complaints of child trafficking
has been raised in Idzinal Subdivision, Fako Division of the Southwest Region. Investigations carried out by reporters of Media Afrique 24 newspaper indicate that trafficking is still waxing strong in Idzinal Subdivision in the Southwest Region of the country. You want to find out the nature of the situation on page 2 of Media Afrique 24. And the paper also says that the first career fair edition has opened in Bamenda, chief town of the Northwest Region, with the aim of encouraging youths and trying to set their career patterns. You get all the developments about that on page 6 of Media Afrique 24 newspaper. And that does it for today, Peter. Thank you very much. And of course, we shall be back again with more and refreshing news concerning all what is happening around our territory and even beyond tomorrow. As for now, we continue in what is wrong with me? As for now, we continue in French. Oh my God, with you. Because I was reading something and it just got my attention, you know. We continue in French, of course, with you, Etienne and Narcisse. Merci bien, Sandrine Buffalo. La revue de la presse en français ce matin avec vous, René Narcisse Moto. Elle aura trois parties, comme d'habitude. On va commencer par la première partie qui est la lecture transversale. Et deux faits majeurs retiendront notre attention ce matin. La problématique du recensement du personnel, une véritable épine dans la chaussure des pouvoirs publics, le messager. Et la nouvelle expression en parle ce matin. Le deuxième sujet de cette première partie de la revue de la presse est bien sûr la crise anglophone entre sécession et fédéralisme. Eh bien, difficile de trouver le juste milieu, et la presse nous en parle encore ce matin avec vous, René Narcisse Moto. On va le découvrir. Oui, deux sujets majeurs ce matin abordés par la presse locale, des sujets qui suscitent des interrogations. Et c'est d'ailleurs le cas avec le premier fait majeur dont tu en as fait mention tout à l'heure, le recensement du personnel dans la fonction publique, un véritable casse-tête chinois pour les pouvoirs publics, dont il est encore difficile de rogner les ailes de ce grand mal social. Mais déjà, quelques pistes de sortie. Le messager nous en parle ce matin et nous fait savoir que 14 000 agents seraient sur la sélecte, théoriquement en service dans divers ministères, et ils sont sommés de clarifier leur situation auprès des administrations compétentes. On voudrait bien demander à la rédaction de faire moins de bruit, parce qu'on a du mal à faire le travail ici en plateau ce matin. Et puis une nouvelle expression également qui en fait mention, parle de cet éternel recensement du personnel qui constitue une grosse épine dans la chaussure des membres du gouvernement. Et la presse nous fait savoir ce matin, notamment une nouvelle expression de Séverin Tchung, que plusieurs initiatives sont prises ces derniers temps pour élaguer la longue liste du personnel de l'État des censures effectives. Alors que l'opération CIGIPES 2, plus appréciée et plus indiquée, est devenue un véritable serpent de mer, parce que torpillés par des lobbies dans la haute administration. La nouvelle expression y a consacré tout un dossier en sa part jeudi ce matin. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis le second sujet qui porte sur la crise anglophone, Cameroun Tribune nous dit ce matin qu'il y a désormais de la sécurité et non de la militarisation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le déploiement des forces de défense dans ces régions reste normal, d'après Cameroun des Tribunes, qui poursuit en disant que gendarmes et policiers assurant le maintien de l'ordre ordinaire, tandis que les militaires restent cantonnés dans les casernes. Le journal nous invite à lire donc les reportages de leurs envoyés spéciaux, et ce à partir de la page 6. Info Matin parle aussi de cette crise anglophone et nous fait savoir qu'aucun soldat n'a plus été tué, encore moins un policier, désormais dos au mur. La manipulation devient la nouvelle arme des terroristes. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Cet article se trouve en page 4. On poursuit avec le journal
On poursuit donc avec un autre journal qui fait également mention de cette crise anglophone. C'est la nouvelle expression qui nous dit comment vaincre les sécessionnistes. Ce journal semble avoir la formule magique. Le journal nous fait savoir que le commandement militaire doit revoir sa collaboration avec le peuple sur le terrain pour affronter un ennemi invisible, pas très présent. Telle est la solution que propose la nouvelle expression au gouvernement camerounais. Voilà donc Étienne Eboudap, de façon ramassée, quelques informations majeures traitées par la presse. Mais attention, il y a aussi le messager dont on n'a pas fait mention, le messager qui a également abordé la question de la crise anglophone ce matin. Pour ce journal, on parlera plutôt de ces présumés sécessionnistes interpellés. En sa page 2, le messager nous dit que 9 assaillants supposés formés au Nigeria sont aux arrêts, et ce depuis hier. Information à trouver donc en page 2 dans le messager livraison de ce jour. Merci bien, vous l'aurez compris, d'un petit souci avec la voix de René Narcisse Moto. Il est carrément grippé. Courage à toi. Allez, merci deuxième bien. Partie de cette revue de la presse ce matin, les grandes unes. Oui, on va commencer tout de suite avec le journal Repère qui nous parle de l'exploitation minière qui est au centre de sa préoccupation ce matin, et le bi-hebdomadaire nous en dit long. Oui, il faut noter qu'il désormais, il sera question d'un chantier qui a été découvert dans un site chinois du côté de l'est du pays. Les corps de 4 artisans miniers du village Ngwengwe ont été trouvés ensevelis. C'est ce que nous dit donc Repère ce matin. Là, on est sans nouvelle d'une cinquième personne qui aurait, selon des témoins rencontrés par Repère, été assassinée par les exploitants chinois du site de Cahier. Rendez-vous en kiosque pour mieux comprendre cette actualité, on ne peut plus brûlante. L'article se trouve en page 12 dans Repère, livraison de ce mercredi. Allons-y découvrir la grande une du journal Info Matin. Le dit quotidien a enquêté sur la cabale contre Dieunodor Kamdem et le scandale. Il y en a, oui ou non? Oui, et le journal s'interroge que cache cette cabale contre Dieudonné Kamdem. On va rappeler que c'est d'après certaines personnes ou tout simplement d'après Info Matin, c'est un célèbre évangéliste camerounais en séjour au Canada. Il serait donc persécuté d'après ce même journal par des détracteurs tapis dans l'ombre. En savoir davantage en kiosque, l'article est bien implanté en page 2 dans Info Matin. Le trio hebdomadaire de Gibaï Gatam à l'œil du Sahel à sa grande une nous indique que 2 Américains échappent à un enlèvement. Comment et pourquoi? Oui, le journal le dit ce matin, c'est du côté de Abba Goroma. On parle d'un important membre de la secte terroriste qui a par ailleurs été arrêté par l'armée camerounaise. Les services de sécurité camerounais ont frappé un grand coup dans la journée du 16 novembre 2017. Nous le fait savoir ce matin le tri hebdolet du Sahel. Ce jour-là, il faut le rappeler, dans un quartier situé à la périphérie de Maroua, précisément à Djarengol Kodek. Ils ont capturé un important membre du groupe terroriste Boko Haram, Abba Goroma, riverain qui a assisté à l'opération, a donc raconté ce qui se passe. Vous pourriez donc avoir le témoignage de ce témoin. Il faut également rappeler que dans la soirée, aux environs de 20h, les forces de sécurité sont revenues et ont encerclé le domicile d'un certain Ousmane et arrêté de nouveaux suspects. Beaucoup de révélations donc à la page 3 du tri hebdo l'œil du Sahel, le sujet donc de ces 2 Américains qui ont échappé à un enlèvement. Ce matin, le journal Le Soir met le doigt sur le gangstérisme du côté de l'Assemblée nationale. Y a-t-il vraiment des gangsters de ce côté? C'est ce que dit donc le tri hebdo Le Soir ce matin. Pour qui roulent les députés du SIF, voilà ceux qui sont considérés comme des gangsters d'après Le Soir. Le groupe parlementaire du Social Democratic Front, représenté donc à l'Assemblée nationale, le journal nous indique que des scandales
scandale en scandale, du scandale en scandale. Les honorables du Social Democratic Front ne cessent de surprendre. Ils s'illustrent en voyous et pourtant ils avalent les milliards de francs CFA du contribuable camerounais chaque année. Dès qu'ils se moquent, tentative de réponse à la page 3 du journal Le Soir, qui est un tri hebdomadaire. Et ce matin, la vitrine du continent Médiafrique 24 creuse et découvre une corruption à ciel ouvert. Le dit hebdomadaire fait savoir que le MINCAF est au cœur d'un gros scandale foncier. Oui, Médiafrique 24, qui se veut donc désormais la vitrine du continent africain, nous dit que sur un espace objet d'un bail amphithéotique de 99 ans appartenant à un opérateur économique, Madame le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières vient donc d'attribuer à un locataire indélicat un autre bail amphithéotique d'une durée de 50 ans. L'affaire fait grand bruit. Chacun se demande bien pourquoi et comment on en est arrivé là. Le journal Médiafrique 24 a fait un décryptage pour son grand lectorat. Rendez-vous donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Vous êtes sur Spectrum Télévision, vous suivez la revue de la presse ce matin avec René Narcisse Moto, troisième et dernière partie de cette revue de la presse. Alors qu'il est 7h50, on va découvrir comment d'autres faits d'actualité ont été traités ce matin par la presse locale. Et tout de suite, René Narcisse, on repart avec la vitrine d'Afrique. Oui, la vitrine d'Afrique s'est également intéressée à la crise qui continue de sévir à l'église évangélique du Cameroun. Le journal a creusé et se permet aujourd'hui de nous présenter les conséquences, mais alors les grandes conséquences de cette crise. Ça, c'est en sa part justice. Rendez-vous en kiosque donc pour en savoir davantage. Cameroun Tribune parle des personnes vulnérables en sa petite fenêtre, notamment en sa part J17. Il y a donc désormais une grande mobilisation pour une solidarité nationale. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, a lancé un cri du cœur hier du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, dans le cadre des activités marquant la semaine dédiée. Et puis on parle aussi du mondial de volleyball avec Cameroun de Tribune. Les Lions fixés sur leur adversaire à l'issue du tirage au sort effectué jeudi dernier en Italie. Le Cameroun évoluera dans la poule. Le sait avec quelques cadors du volleyball mondial comme les États-Unis d'Amérique et la Russie. Le messager s'intéresse dans sa petite fenêtre à la désertification au Cameroun, une désertification qui serait donc en péril du côté de l'extrême nord du pays. Cette région, d'après le messager, présente une situation environnementale alarmante. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression parle de commerce illicite en sa page 3, 24 000 armes en circulation au Cameroun. Le constat a donc été fait par ce quotidien, un chiffre révélé par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Biti Assomo. En sa page 5, le journal ne s'empêche pas de parler du sport, notamment de la Coupe du Cameroun. On parle de cette mystérieuse finale qui est encore très attendue. Le journal qui, paraît-il, aurait creusé, nous dit que des indications sur la tenue de ce rendez-vous annuel de football se font rares et les équipes accusent le coup. L'information, c'est en page 5. Et Repère, en plus de nous dire, de nous parler de ce rendez-vous sur le deuxième forum Tchad RSRA Cameroun. Pas justement de ce transit des marchandises par les ports de Douala et de Kribi. L'opération s'effectuera donc du côté de N'Djamena les 12, 13 et 14 décembre 2017. Le journal ne s'empêche pas aussi, n'est-ce pas, de parler de ces déboires qui se vivent désormais à la BISEC et une interrogation qui fuse de part et d'autre dont le Repère en fait mention ce matin. La BISEC va-t-elle fermer? Voilà l'interrogation, tentative de réponse à la page 9. Info matin au rez-de-chaussée de sa une parle de ses nominations scandaleuses à Kamwata Ngongor, enterré vivant. Et le PCA s'est abusivement servi du nom du secrétaire général de la présidence pour faire valider les nominations de ses complices, pourtant visés par la justice, à des postes où ils vont effacer les preuves et surtout perpétuer le pillage. Allez donc en savoir davantage à la page 3 dans le quotidien Info
faux matin de ce matin. Et puis on finit avec l'œil du Sahel de Gibaï Gatama. Ce tri hebdomadaire s'est intéressé à une opération pilote d'archivage numérique des actes d'état civil et qui est donc désormais lancée. À lire donc l'interview du directeur général du BINEC à la page 10. Et puis au nord du pays, 60 décès liés à l'accouchement en 2017. Ça, c'est à la page 8. Et puis en sa page 6, en ses pages 6 et 7, on note que environ 40% des terres illégales seraient donc occupées du côté de Ngarundiri. Et c'est tout pour la revue de la presse ce matin. On va boucler avec le soir. Il y a une info. Oui, pourquoi pas. Oui. Allons-y, bouclons là avec le journal du soir ce matin. Oui, le soir qui parle de dernière heure à la page 2, odeur de rémaniement. Et oui, il pourrait donc y avoir rémaniement. D'après une source digne de foi, le journal signale, que la source indique qu'il y aurait donc rémaniement dans les jours à venir et que le président de la République aurait fait pression à l'Assemblée nationale et au Sénat d'accélérer avec le passage des ministres. On ne perd donc rien à attendre, ou bien, devrais-je plutôt dire, il n'y a point péril en la demeure. La boucle est définitivement bouclée pour ce matin-là. Eh oui, c'est terminé avec ce matin. Il fallait bien finir avec le soir qui l'a bien constaté que nous ne sommes plus le soir, mais nous sommes plutôt le matin. Merci bien René Narcisse Moto. On espère bien que vous allez être, vous allez vous rétablir pour les jours à venir et que votre très belle voix nous reviendra. En tout cas, merci pour les efforts fournis ce matin. Merci de constater que ma voix n'est pas très belle ce matin. It's rather unfortunate you came in when I haven't done the fruits yet. If not, you would have at least had something. Non, je ne vais pas souci, je vais you tout de suite, je réplique. Taking fruits is actually going to oui, help. Mais je réplique d'abord tout de suite à l'hôpital et puis les fruits, on verra ça après. Les fruits ne vont pas me guérir. D'accord. Il va faire un tour à l'hôpital. Il va faire un tour à l'hôpital. Non, les fruits ne vont pas me guérir. No, if you take warm water, for example, mais je l'ai déjà fait, Ça atteint un stade de haut. Il a fait toutes les astuces de grand-mère. It means you wasted time. Tu sais, quand tu laisses pour longtemps. Il a fait toutes les astuces de grand-mère que vous connaissez. En même temps, Sandri, on n'a pas le même système. Ah ouais, je ne refuse pas. On n'a pas le même système. Ouais. Mais donc, tu aurais carrément refusé mes fruits. J'ai un système qui est comparable à celui d'un caïd. Bon, là, quand René Narcisse Moto rentre dans cette façon de parler, là, on ne peut plus l'arrêter. En tout cas, merci bien ce matin, René Narcisse Moto. Jean-Philippe Léo Smet, né un 15 juin 1943, c'est son vrai nom, Johnny Hallyday. Il nous a quittés ce 6 décembre 2017. Il faut dire qu'il était un très grand chanteur français et même de renommée mondiale. Il aura presque tout eu durant sa très belle et longue carrière, commencée depuis 1960. Oui, il a un riche palmarès, on va le dire ainsi, une très belle biographie avec plus de 183 tournées, vous vous imaginez, 183 tournées, 27 parisiennes avec 28 millions de spectateurs. Il a enregistré près de 1000 titres, il faut le dire, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions d'albums. Ça, il faut le dire, récompensé par 40 disques d'or, 22 de platine et 5 de diamant. 10 victoires de musique, une discographie officielle qui compte 50 albums studio et 29 en live. Oui, il a été vraiment un très grand travailleur de la musique, Johnny Hallyday. Donc, sa très belle voix va certainement nous manquer. Mais on va dire, l'artiste reste éternel. Il ne meurt pas. Tout à fait. Je crois même que de son vivant, il a continué à cravacher, à travailler dur pour satisfaire ses mélomanes, qui sont d'ailleurs très, très, très nombreux à travers le monde, dont j'en fais partie. Et il faut dire que pendant qu'il combattait la mort, pendant qu'il luttait contre la mort, parce qu'il faut dire qu'il a été sucré pendant plusieurs années par, par le cancer. Plusieurs fois, il a été annoncé comme décédé. Donc, malgré cela, il combattait la mort. Et puis, il annonçait d'ailleurs même une tournée internationale. Mmh. Malheureusement, la mort a eu raison de lui. Paix à son âme. Comme tu l'as dit, un artiste ne meurt jamais. Il demeure. Ses œuvres resteront gravées dans la mémoire. C'est comme Michael Jackson. Donc, on continue à danser ses chansons. Il faut avoir beaucoup de force pour enregistrer plus de 1000 titres. C'était le Michael Jackson. C'était le Michael Jackson français. Ah oui. Avec sa belle voix. Et Johnny. He's really worked all his life because dying at the age of 74, it means that he never had time for any resting. Et il avait toujours pour ambition de faire une autre tournée, You can imagine, even during his last days, he was still thinking of doing
of still proving to his fans, to all those who love him. Il n'y a pas de retrait dans la musique. Il n'y a que la mort qui vient vous dire full stop. Ça, c'est clair. So, he's un grand coup de chapeau, vraiment. Il a inspiré pas mal d'artistes français. Il y a d'aucuns qui ont bien voulu faire comme lui, mais tu sais, quand on est maître, on devient maître. Je pense à Garou. Garou qui a bien voulu faire comme lui. Mais il a quand même réussi à avoir un peu de la voix de Johnny Hallyday. C'est la nature. Bah oui, en même temps. Et c'était travail aussi. Un peu comme vous. Non, ça, c'est pas la nature. Papa, c'est pas naturel. On s'écoute du Johnny Hallyday ce matin. D'accord. Pourquoi pas. Si ça peut me guérir, tant mieux. Le pourquoi.